Hola, hola et bienvenue sur l'envol des mots. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale. Puisqu'aujourd'hui, nous allons s'occuper de ma bibliothèque. Alors, je vais vous montrer après comment sont mes bibliothèques exactement, sachant que les étagères ne sont pas encore mises, ce sera en fonction de mes livres. Et je vais vous montrer tous les cartons qu'il faut que je range aujourd'hui. Voilà. Ben on va commencer parce que là actuellement, attendez, je vais noter l'heure à laquelle je commence et à l'heure à laquelle je vais terminer. Donc là il est 8h30. Voilà. Et j'espère terminer aujourd'hui, hein, parce que bon, c'est pas qu'il y ait beaucoup de livres, mais un petit peu. En plus j'ai rajouté les livres de mon enfance que j'ai retrouvés chez ma mère et que bah, je garde, hein, donc clairement ça rajoute un peu des livres tout ça. Donc bon, on va voir. Bah écoutez. Sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et voici l'immense bibliothèque. Voilà. D'ailleurs, pour aller au dernier étage, il faut absolument que je prenne l'escabeau parce que sinon, je ne peux pas y aller. Voilà, parce qu'elle fait 2m32. Hein. Vous voyez, il n'y a pas grand écart entre le haut et enfin le haut de la bibliothèque et le plafond. Donc voilà. Hop. Trois grandes comme ça. Et là, à côté, j'ai un petit pour les CD aussi qui va se remplir au fur et à mesure parce que... dans ce carton-là, mon carton de Chine, j'ai mes CD aussi à ranger. Donc voilà. Hop! Donc, ça c'est la bibliothèque. Et ensuite, j'ai mes cartons. Donc ça, c'est la caisse de mes livres d'enfance. Vous pouvez voir, il y a Martine. Voilà, il y a d'autres petites choses aussi. Voilà, là c'est mon carton Harry Potter, avec mes livres et tout, les DVD. Ça, c'est ma palle. Ça et ça, ces deux-là, c'est encore des livres d'enfance. C'est ceux que je vais ranger en premier, en fait. Voilà, et après je verrai. Hop, et voilà, après tout le reste s'arranger aussi. Hein. Donc on s'y met? Allez, on s'y met. Je vous pose comme il faut pour avoir un angle de vue un peu près bien, quand même. Et je vous pose pour la suite de la vidéo. Thank you.
j'ai tous mes Martines qui sont bien rangées là-bas. C'est toute ma collection Martines. Voilà, je sais pas si elle est complète, mais franchement, c'est une collection que j'aime énormément et que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup regardée quand j'étais petite. Lue, non, mais regardez les images, tout ça, oui. Et ma mère me les a lues, si je me souviens bien. Donc voilà, maintenant il est temps de continuer à ranger les livres d'enfance. Sauf que je me tâte, est-ce que je continue en dessous ou est-ce que je continue sur les plus hautes étagères, parce que c'est celle où je ne peux pas accéder. Et du coup, bah, c'est celle aussi que je vais moins regarder et voilà. Je pense que, ouais. Je pense que je vais faire ça, je vais regarder ce que j'ai d'autre comme, comme livre d'enfance et puis je vais voir un petit peu à ça. Mais je pense faire ça. À voir.
C'est la justice du montage. Alors, la vidéo n'a pas de son parce que, en fait, pendant l'enregistrement, j'ai un petit souci avec le micro. Je m'en rends compte là au montage qu'au final, mon micro s'était chargé et j'ai pas. Enfin, je m'en suis pas rendu compte. Donc voilà. Sinon, là, je suis en train de vous montrer ma bibliothèque que j'ai fini de ranger. Je suis trop contente d'avoir fini de tout ranger. C'est beau. C'est très satisfaisant. C'est tellement bien. Voilà. Et puis, bah écoutez, moi j'espère que la vidéo vous aura plu, même avec ce petit souci de son. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo, vous abonner si ce n'est pas encore le cas, activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Et puis bah sur ce, je vous souhaite une très belle journée, de très belles lectures, et je vous dis à très vite!